Rosh Hashanah 5764. Hein? Une nouvelle année, Bezrat Hashem. Et voilà, on est dans les derniers moments avant Rosh Hashanah. Le dernier jour, le dernier mincha cet après-midi où c'est marqué, il faut le faire des kavanas. Et Baruch Hashem, le cœur commence à ressentir l'arrivée de ce grand jour qui a plusieurs noms. En même temps, c'est Yom Adin Vehamishpat. C'est le jour du jugement. Donc déjà ça, c'est déjà... Kichok le Israël, ou Mishpat, l'Eloke Yaakov. C'est Yom Amalchut, le jour où on couronne Hashem. C'est Yom Azikaron, où Akadosh Baruch Hu ramène le souvenir de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer. Impossible d'imaginer tout ce qu'on se rappelle ce jour-là. Et le Rachaim, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se rappeler. Mais ça veut dire, c'est, il redonne la vie. C'est ça, quand je pense à quelque chose, je m'attache à cette chose-là. Donc Yom Azikaron, David Amelech, il appelle aussi un jour de lumière, où l'homme, il arrive à dégager l'obscurité pour voir la lumière et la vérité. Et c'est aussi le jour de la Itorerut, Yom Teruah. Donc on peut lui donner, entre guillemets, 5 noms à ce jour-là. Il y a, on va dire, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, Hachem a créé le monde. Adam Arishon. Hayom Yahamid Bamishpat Kol Yetzure Olam. Donc aujourd'hui, il va juger tous les gens du monde. C'est lié, puisque aujourd'hui, le monde a été créé. Donc aujourd'hui, Hachem va juger pour donner à chacun ce qu'il a besoin. Im Kevanim, Im Kaavadim. On est jugé ce jour-là ou comme des enfants, ou comme des serviteurs. Im kebanim, rachamen ou kerachem aval banim. Aie pitié comme un père sur ses enfants. Im kaavadim, si c'est comme des serviteurs, enen ou lecha teluyot, nos yeux sont attachés envers toi. Rabbi Daniel, tu travailles aujourd'hui? Ouais. Nos yeux sont dépendants de toi. Comment être un enfant? Comment être un serviteur? Il faut être ou l'un ou l'autre. Hein? C'est marqué que quand on dit ce mizmor-là, mamash, il faut mettre toute sa kavana. Toute sa kavana dans ce mizmor-là. Vaut mieux être un enfant ou vaut mieux être un serviteur? Un enfant, évidemment. Comment on arrive au niveau d'un enfant et comment, puisque c'est Hayom Harat Olam, c'est ce jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et Adam Arishon a fauté le même jour. Il a été renvoyé le même jour. Il a été jugé le même jour. Il dit le Midrash. Kadosh Baruch Hu lui a promis, de même qu'il est sorti acquitté du din, nous aussi on va sortir, on est promis qu'on va sortir acquitté du din. Je ne vais pas rentrer dans la question pourquoi on considère que Adam Arishon a été acquitté du din. Globalement, on lui a donné une nouvelle solution de vie, selon ce qu'il avait, où il était arrivé, mais ce jour-là où quelque part on vient et on veut être au-delà de la faute d'Adam Arishon, revoir la vérité, le Emet, s'éloigner des incitations du serpent, au-delà, comment faire ce jour-là pour arriver à cette madrigala? Et en fait, le Gaon de Vilna, il dit, un beau chidouche, que celui qui est collé à Kadosh Baruch Hu par la Torah, alors il atteint un niveau de ben. Enfant. Pourquoi? Parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est une seule entité. Donc il n'y a pas quelque chose qui nous rend fils d'Akadosh Baruch Hu comme la Torah. Celui qui est fort dans les mitzvot, alors il est un serviteur. Mais ou l'un ou l'autre. En tout cas, nous dit le Gaon de Vilna, que être attaché à la Torah, c'est être attaché direct à Akadosh Baruch Hu.
Et de là, deux chemins dans la tchouva de Rosh Hashanah. Le premier chemin, c'est l'imoud à Torah. Ça veut dire on va prendre plein de décisions. On ne sait pas lesquelles vont tenir, lesquelles ne vont pas tenir. Mais on va essayer de prendre des choses profondes. Et comme on a dit, un chemin de vie plus élevé chaque fois. Plus élevé que ce qu'on a fait l'année dernière. Mais le meilleur moyen pour rester dans la vérité, et pas rien que ne pas, pas rien qu'accomplir ces kabbalotes, mais faire encore mieux que ce qu'on va accepter, mettre juste des graines qui vont pousser encore plus, c'est si tu prends sur toi la Kabbalah, d'être attaché vraiment à la Torah. C'est marqué que celui qui a Amel ba Torah, comme ça c'est marqué dans le Midrash, celui qui a le labeur dans la Torah, Akadosh Baruch Hu merachem alav. Kadosh Baruch Hu, il a une pitié de fou pour lui. Et celui qui a un niveau encore plus que ça, qu'il est Mishta Shea Batorah, qu'il a un plaisir d'étudier la Torah. Comme il dit David Ameler, Torah Trasha Ashuai, ta Torah c'est mon plaisir et mon bonheur. Si un homme il arrive à cette manière encore plus, il montre qu'il est, il est attaché à Kadosh Baruch Hu et à sa Torah. Et donc encore plus, il est zoché au rachamim, à la miséricorde divine. Il y avait cette question, est-ce qu'on a le droit de se réjouir et de se faire un kiff quand je fais une mitzvah ou quand j'étudie la Torah? Est-ce que ça ne s'appellerait pas d'étudier la Torah chez l'Olishma? Tu veux, tu es content, tu aimes étudier ou tu aimes faire une mitzvah, ça te fait plaisir. Il dit le Avnenezer. Il dit que le Icar de l'Imoud à Torah, c'est d'être sas vesameach umit aneg belimudo, c'est d'être joyeux, heureux et se délecter dans son étude, parce que dans ce cas-là la Torah elle rentre dans son sang et il devient d'avouk la Torah, il devient d'avouk à Kadosh Baruch Hu et à la Torah. Donc le l'Imoud à Torah bevadaï, c'est quelque chose qui élève la première question qu'on demande à l'homme dans le jugement, est-ce que tu as fixé l'étude? Et beaucoup expliquent que même s'il y a des questions qui passent avant, mais on sait que celui qui a fixé l'étude, alors il va réparer les autres choses. Mais quelqu'un qui n'a pas l'étude de la Torah, il va trouver des excuses. Donc on lui pose la première question, c'est est-ce que tu as mis la source pour respecter la Torah et les mitzvot? Ce jour-là où on fait teshuvah, shofar, ça vient du mot chaperou maasechem, embellissez vos actes. Donc ces jours-là où on vient embellir nos actes, la première chose, c'est de se rattacher à la source de ce qui nous rend spirituel, de ce qui nous élève, de ce qui nous donne les forces de combattre le yetzer hara, de ce qui nous colle au spirituel et ce qui nous colle à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le yesod. Et sur ça, il dit David Ameler, un pasouk magnifique, j'ai vu ce pshat, ce shabbat, « Yevouni rachamecha ve'echye » que ta miséricorde vient et me fasse vivre, c'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah, que ta miséricorde, « Ki Torah tracha ashuay » parce que la Torah, c'est mon amusement, c'est ma joie. Parce que si la Torah, c'est ma joie, je suis comblé et entouré de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, pourquoi il a fauté? Le serpent a réussi à lui faire penser que faire contre la volonté d'Hachem, ça pourrait lui amener intérêt ou bonheur. Oui ou non? Vous serez comme Dieu, vous aurez la sagesse, vous aurez un libre arbitre et vous aurez plus de mérite. Donc, tu entends Shmuel? Il lui a dit, c'était ça l'incitation. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Adam Arishon? Et c'est ce qu'ont dit tous ceux qui n'ont pas écouté au Yetzer Hara. Avraham Avinu dans la Kedat Yitzhak aussi avait des calculs comme ça. Si tu écoutes pas Hachem, si tu écoutes Hachem, tous les gens que tu as ramenés, qui sont convertis, que tu as ramenés à la Torah, ils vont dire que tu es un fou, tu sacrifies ton fils. Donc il y avait des calculs spirituels. Adam Arishon, il aurait dû dire, puisque Hachem, c'est le créateur du monde, le créateur de l'homme, et qui sait tout ce qu'il y a, c'est pas possible de faire contre la volonté d'Hachem,
et retirer intérêt et bonheur. C'est un calcul simple et vrai. Un homme qui dit je veux ouvrir Shabbat parce que sinon c'est dur, il doit être, s'il est convaincu que c'est Hachem qui gère tout, je ne peux pas faire contre la volonté d'Hachem et obtenir intérêt au bonheur. Et ça, c'est un des éléments de la tchouva de Rosh Hashanah. C'est tellement de reconnaître que Malchut Hachem, la royauté d'Hachem sur tout le monde, sur tout le monde, tout est jugé ce jour-là, les pays, la terre, le ciel, les hommes, les présidents, les dictateurs, tout le monde est jugé ce jour-là. Donc on voit la puissance d'Hachem. Comment je peux, comment je peux penser que faire contre la volonté d'Hachem, ça va me faire gagner. Donc je fais tchouva. Donc même nous, dans nos petites choses, quand on dit non, ne pas parler la chonara, c'est trop poussé pour moi. Oui, mais si tu es convaincu que tu fais que perdre, que tu ne peux rien obtenir et gagner, mais évidemment, tu vas te sauver de la faute. Donc, c'est ce qu'il dit le Ramchal. Que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, lui a dit, je te donne l'arbre, le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra. La travailler et la garder, surveiller. Le Pshat, comme c'est marqué dans le Zohar et dans le Midrash, c'est les Ovda, les mitzvot assez, les Shomra, les mitzvot assez, les Shomra, les Milav, les Pikudin, les Oraita. Il lui a dit, comment tu vas protéger ce bonheur que je t'ai donné? Étudier la Torah et respecter les mitzvot. Il dit le Ramchal que si Adam Arishon avait tout de suite pris ça, il aurait élargi sa yediat à Emet, sa connaissance de la vérité. Jamais il aurait fauté. Quand tu sais la vérité, tu n'as jamais fauté. Un homme qui sait que le billet de 500 euros qui est jeté par terre, c'est un faux billet, et qu'on est en train de le surveiller avec des jumelles, et que s'il va le prendre pendant Shabbat, on va le mettre en prison parce qu'il a un billet falsifié dans sa poche. Mais jamais il va prendre le billet. C'est-à-dire, si la yédia, la connaissance de la vérité, l'homme, il sait combien il perd de s'éloigner d'Hachem. Combien il perd, ne parlons pas de ce qui va être puni, mais ce qu'il perd, rien que de cette proximité, de sa bracha, de son lien avec Hachem, de la vérité. Il dit le Ramchal, « Imaïta yédia rechava lev ne adam » Si les gens dans leur esprit ils avaient la vraie idée, la vraie connaissance, on va répéter demain à Moussaf. Aïe, aïe, demain à Moussaf. Veyadata yom, vachevota, elevavecha. Tu seras, tu remettras dans ton cœur, qui Hachem ou Elohim, bashamaim imal, valaris mitrat enod. Il n'y a pas un espace, un millimètre où il n'y a pas la présence divine et sa vérité et son bonheur. Si un homme avait la yédia, Léolam ne l'aurait fauté, jamais il n'aurait fauté. Donc les malchouyot nous aident à revoir cette vérité qu'il y a une seule vérité, un seul bonheur, c'est le Ratzon Hashem. Et à tel point on va se renforcer dans ça qu'on va chanter demain « O kedveane kadvea misbeah » La Kedat Yitzhak, que Abraham Avinu, lui, il a eu 10 épreuves et il a su que même sacrifier son fils, ça ne peut pas être du mal si ça vient à Kadosh Baruch. Donc cette vérité-là, on la trouve à travers l'étude de la Torah. Donc le premier point important qu'on peut se renforcer demain, c'est justement de renforcer cet élément, notre attachement à la Torah. Les plus belles décisions, comme disait beaucoup de Sifré Moussar, prendre sur soi d'étudier une demi-heure de Moussar tous les jours, c'est une très belle Kabbalah. Quand un homme qui travaillait dur est venu chez Rav Israël Salanter, il lui a dit, je peux travailler une heure, je peux étudier une heure par semaine. Qu'est-ce que j'étudie? Gmara, Alakha, Moussar, etc. Il lui a dit, Moussar. Pourquoi? Parce qu'avec une heure de Moussar, tu vas faire beaucoup d'heures d'études. Ça veut dire savoir si on se renforce que Torah trash à Shoah. Ne plus être pressé quand on va à la synagogue. Travailler sur toutes ces tefilotes, Bekavana, Betzibour. C'est le moment de Kirvat Hashem. Avoir une vraie étude, il n'y a pas de discussion. Quand un homme, il a un vrai limud à Torah, Be'amal, Be'simcha, il n'y a pas. Ça l'amène à faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Si un homme, il écoute des shiurim, comme vous faites maintenant, et Chazak, pour toute l'année, Be'ezrat Hashem, encore des longues années, qu'on puisse les faire en bonne santé, et que vous puissiez les écouter en bonne santé. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi, parce que c'est l'occasion
de les féliciter, ceux qui écoutent comme ça attentivement tous les shiurim, parce que, voilà, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Tu peux avoir une chambre remplie d'obscurité, si tu as la connaissance de la vérité, c'est ce que tout le Rosh Hashanah nous dit. Rosh Hashanah, c'est Ori, c'est une lumière, parce qu'on voit, on dit que Hashem met l'air, on comprend que, comment on dit, dans, on va dire demain dans Alem le Shabéach, ou Eloke Nouvelo d'Acher, et même Malke Nouvel Fezulato, il n'y a rien d'autre, qui Hashem ou Elokim. Quand le Mashiach va venir, tout le monde va se prosterner. Entre-temps, ils ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas, mais nous, on le sait, et surtout aujourd'hui, à Rosh Hashanah, on le sait plus que toujours. Donc, Bezrat Hashem, renforcer sa Avata Torah, son amour à la Torah, son étude de la Torah, son attachement à la Kdusha, tous les clalotes de Bilam qui les a fait en bénédiction, à un moment, ils ont pu se renverser. Mais les Bate Knessiot, les Bate Midrashot, c'est resté toujours une bracha. Parce que de même que le mikvé fait sortir l'homme de l'impureté à la pureté, les Bate Midrashot, quand un homme étudie la Torah, ça le fait sortir de l'impureté à la pureté. Donc toute cette chance qu'on a, et qu'on remercie Hachem, et qu'on lui demande de nous redonner ça pour tout le temps, besoin d'Hachem, qu'on a des Maramakom Torah, qu'on a des Shiuré Torah, qu'on étudie, qu'on a Baruch Hachem, des gens qui aiment la Torah pour la soutenir et la développer. Toute cette richesse, la première question, Kavata etim la Torah. Tu as fixé des moments à la Torah. Si tu as bien fait ça, alors tout le reste, Bezrat Hashem, évolue. Voilà, Chazak, Chazak, Bezrat Chazek. Et Bezrat Hashem, Shana, Tova, Mourechet. Et Kol Abrachot, Abelida, Yamen, Benir, Hatzad. C'est bon.